Bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation d'un effet qui s'appelle Color Prophecy Pen. Donc c'est quelque chose déjà qui a un petit peu de temps. Alors on fait que la vidéo maintenant, on ne pouvait pas tout faire. Mais on l'a fait parce qu'on trouve l'idée et le tour vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc avant de montrer ce que c'est, je vais juste enlever ça, car il y a l'explication, on ne sait jamais. Donc l'effet de Color Prophecy Pen, c'est quoi? C'est tout simplement l'effet que la plupart des magiciens connaissent qui s'appelle le Color Match ou le Color Pen. Où c'était tout simplement, on avait des feutres dans un pot, on avait un tableau, le magicien était tourné, le spectateur prend un feutre, il dessine un petit bonhomme ou n'importe quoi, une maison, peu importe, un dessin simple en fait, tout simplement. On leur dit de dessiner ça, ils prennent une autre couleur, ils dessinent ça, et ainsi de suite. Donc le spectateur fait entre guillemets comme il a envie. Et quand on vient comparer la prédiction qu'on a faite, elle correspond exactement. Donc les mêmes couleurs ont été mises au même endroit sur des dessins préalablement dessinés. Donc c'est quelque chose qui était très cher. Donc, oui, c'était la version saine. Ben, la version saine des Color Match, les premiers, il me semble que c'était dans les 1200 euros. Ouais, si t'achetais tout, le recevais. Toi, tu l'as acheté, ouais, sans le, entre guillemets, sans en dire trop, mais sans effectivement un accessoire, parce que si je dis trop de choses. Oui, parce que je l'avais déjà, mais je l'avais déjà payé de toute façon. Voilà, mais bon, mais ça coûtait quand même extrêmement cher. Il est sorti des versions un petit peu moins chères, et la dernière version, alors bien sûr, c'est pas une version saine, c'est une version close-up ou salon, parce que ça peut fonctionner, hein, qui est ben, largement moins chère, mais vraiment largement moins chère. Et qui fonctionne mais vraiment très très bien. Alors pourquoi je dis close-up? Parce que en fait, donc alors l'idée, donc là on a des feutres, hein, mais donc voilà les feutres en gros, c'est non, ça pourrait très bien se faire en scène. Le problème c'est que vous pouvez pas donner ça à un spectateur sur scène. Alors, il peut le tenir très bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est des petits feutres pour enfants hein, dans les boîtes qui correspondent aux boîtes Crayola. Mais le problème, c'est que voilà, dessiner un format A3 ou un format même A4 sur scène avec un feutre comme ça, le mec il va dessiner pendant des heures et des heures. Alors qu'en close-up, bien évidemment que oui. Pourquoi? Parce que c'est fourni avec des toutes petites cartes comme ça. Hop. Et du coup, voilà, donc c'est fourni en plus, ce qui est bien dans ce truc-là. C'est que c'est fourni avec des petites boîtes de rechange, au cas où à force vous les ouvrez ou vous les abîmez, donc ça c'est intéressant. Et ce que les gens colorient, alors c'est des exemples, hein, mais on voit c'est des cartes vierges, donc il n'y a pas de souci, mais ils colorient ça. Voilà. Donc ils colorient, ici là c'est livré comme ça avec des petits bonhommes, alors c'est un exemple, hein, et bien évidemment vous avez les mêmes qui sont fournis, coloriés. Donc, ou soit vous gardez ça comme prédiction, ou alors vous pouvez le changer. C'est-à-dire que l'avantage de ce système, entre guillemets, c'est que c'est totalement... on fait comme on veut. C'est-à-dire que les feutres qui sont ici sont des feutres normaux. Donc, c'est-à-dire que si vous les abîmez, pas comme dans les autres versions où vous êtes obligé de... Enfin, sans dire trop de choses, de changer ces feutres, entre guillemets, un système qui allait dedans... là ce sont des feutres classiques, donc si les couleurs entre guillemets vous plaisent pas, rien ne vous empêche de prendre l'orange et de mettre le jaune à la place. Et vous aurez exactement les mêmes choses qui vont se passer, sauf que la couleur aura changé. Donc c'est à vous après de dire au spectateur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Mais donc vous pouvez changer les couleurs. Donc ça c'est intéressant. Donc en gros. Toi, c'est ta prédiction. Ça, c'est ma prédiction. Le spectateur va sortir des couleurs. Moi, je vais lui dire de dessiner des choses, alors que pourtant, je suis tourné. Il va prendre n'importe quelle couleur qu'il a envie. Il colorie voilà. Là. Il colorie, je sais pas, par exemple, le short, les chaussettes, la cravate, la casquette, et puis je sais pas, le t-shirt, par exemple. Et effectivement, quand moi, je vais montrer ma prédiction, on aura fait exactement le même dessin. Ouais. C'est comme, voilà, c'est comme si j'avais colorié moi aussi comme ça. On aura le même résultat à la fin. Ce qui paraît totalement... étonnant, puisque ce qui est génial pour le spectateur, parce que c'est un effet formidable. Exactement. Moi je le fais depuis des années, c'est vraiment très bon, c'est fiable. Il n'y a pas de change d'enveloppe, c'est-à-dire la prédiction, vous pouvez la donner à un spectateur dans les mains. Ça, je vous dis ça parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'astuce. Et qui pourraient penser. Et nos reviews sont vues par des
des gens qui ne connaissent pas la magie, donc c'est pour ça qu'on essaye de pas trop en dire, mais si vous connaissez Color Match, si vous connaissez tous ces systèmes, c'est juste pour vous dire que le tour est fiable, que ça marche bien, et pour ceux qui connaissent pas, on essaye d'en dire le maximum pour vous dire ce qui va se passer, et sans trop dévoiler le secret. Alors, sans trop dévoiler le secret, mais je peux quand même montrer l'intérieur de la boîte, c'est quand même très très bien fait. C'est-à-dire, c'est tout simplement qu'un compartiment où on range le stylo dedans, donc ça ne peut pas bouger, on ne peut pas se tromper, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très fiable. Alors, quand je dis très fiable au niveau du trucage, bien évidemment, comparé, encore une fois, aux premières versions, pourtant, les premières versions étaient très chères, alors ça marchait, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient déjà très chères quand on devait changer des choses qui allaient dedans, parce que ça se changeait par lot de 10, je crois, ou de 15. Hein. Ouais, il y en avait beaucoup. Pile, entre guillemets, qui était dedans. Donc il y en avait beaucoup, alors que là, le truc est bien, bien fait. Alors c'est vrai que c'est dur d'en parler sans trop dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, parce que c'est vrai que si on parle pas de... Bah, c'est bien déjà parce que c'est close-up, c'est bien parce voilà. Que les stylos, ils sont complètement ordinaires. Oui. Si demain, vous en perdez un, vous achetez du moment qu'il rentre dans la boîte. Sans dire le trucage, avant il y avait des piles, maintenant c'est des batteries. Voilà, au moins comme ça, j'en dirai pas plus. Mais voilà, c'est très bien pour ça. Ça fonctionne très bien. Le système, entre guillemets, qui permet de savoir l'information est très fiable. Donc, ça fonctionne très très bien. Il est en plus en deux solutions. C'est-à-dire vous pouvez avoir une information qui va être directe. Et vous n'avez plus l'information, sans dire trop de choses, et vous avez un système, donc tout simplement un petit interrupteur hein, que vous poussez, qui va vous donner en fait l'information tout le temps. Voilà. Donc chaque fois que le stylo n'est pas changé, vous avez tout le temps la même information. Donc au moins comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça, c'est un truc à changer. C'est juste un interrupteur, un on-off. Donc c'est vraiment, vraiment très très bien. Et donc voilà, donc j'en dirai pas plus sur entre guillemets le système. Et voilà, donc tout simplement, donc c'est pour ça que ce produit est vraiment très bien. Donc si, et pourquoi je dis que c'est bien, parce que si on doit comparer donc les prix d'avant de ce tour là et comparer à celui là c'est x10 entre guillemets, enfin moins de 10, d'accord. Les premières versions étaient à 1000 euros, ça sort à 100, ça dépassera pas les 170, voilà, mais c'est un truc comme ça. Donc c'est quand même, on a exactement le même effet, c'est ça qu'il faut voir par rapport au Color Match ou au Color Pen. C'est le même effet, puisque c'est le même effet. On sort des feuilles, des gens coloris, on a la même prédiction. Voilà, sauf que c'est une version bien évidemment close-up ou salon, puisqu'en salon, quand vous avez ne serait-ce que même 10 ou 20 personnes devant vous, vous pouvez faire ça sur une feuille comme ça à 5. Je veux dire, même là. Après, ils ne sont pas obligés de colorier, ils peuvent faire des rayures. Ils sont pas obligés de colorier, mais c'est vrai que. Ils peuvent faire des gribouillis comme j'ai fait pour aller plus vite, ouais. Parce qu'il y en a, tu leur demandes de colorier, ils passent une heure à faire un pantalon. Je sais, mais voilà, je veux dire, même ça, à 2-3 mètres, on voit très bien les couleurs, on voit très bien que c'est un bonhomme, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, non, ça, mais ils peuvent changer le papier, ils peuvent le faire plus. Mais tout à fait, papier mais c'est ordinaire. Ça, là-bas, c'est livré comme ça, donc c'est vrai que c'est très rapide à colorier, puisque moi, je l'ai fait ce week-end. Donc, je l'ai fait ce week-end à mes beaux-parents. Et je veux dire, c'est quand il a, enfin, pour colorier ça, je veux dire, ça va quand même extrêmement vite. Mais voilà, mais c'est pour dire que scène on peut pas, parce que bien évidemment on peut pas faire colorier ça, ça se dirait pas. Et faire colorier un gros truc, non. Mais déjà un truc qui fait au format A5, ça suffit très bien, donc c'est largement faisable. C'est pour ça que je dis que c'est largement faisable en salon. Voilà, donc cette présentation, ben, tout ça pour dire que on avait ça comme produit, que c'était très très bien et que ça fonctionnait. Très bien, donc voilà. Et tu vas faire l'explication en français dans 2 secondes. Et on va faire l'explication en français dans 2 secondes, tout à fait. Allez, merci. Voilà, Jordan. Donc ça c'était une petite présentation donc du Color Prophecy Pen. Et on en a très très peu, et ouais. Je suis pas sûr d'en avoir rapidement. Ben, effectivement, oui, voilà. On en a très très peu. Voilà.